Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Bien, bonjour et bienvenue sur Gabsen Computer, la chaîne YouTube numéro 1 d'informatique Made in Afrique. Ok, bien, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des form splash. Alors, c'est quoi des form splash? Les form splash, c'est simplement les images qui apparaissent au moment du lancement d'une application Android. Alors, pour ce faire, la première chose que nous allons faire sera de lancer notre Eclipse. Là. Une fois que l'Eclipse est lancé, nous attendons un tout petit peu qu'il charge. Voilà. Je serais tenté de mettre une pause, mais j'espère que ça va aller vite. Voilà. Ok. Notre Eclipse est lancé. Première chose à faire, créer un projet, un nouveau projet Android qu'on va appeler GSC. Form Splash. Voilà, donc on enlève le comme exemple, on met GSC et on revient, le bulk SDK on va le mettre à 2.3.3 et le minimum required SDK on va le mettre aussi à 2.3.3. Voilà, ici c'est le paramétrage de l'icône et tout ça de l'application, on va laisser ça comme ça, suivant. Alors on laisse main activity, activity main, mais pour le titre, on va mettre form splash. Et voilà, finish. Il va nous générer le form splash, le layout par défaut. Voilà. Maintenant que le layout par défaut est sur le point d'être généré, nous allons nous rendre compte que le layout par défaut contient déjà le text view hello world. Donc on regarde ici et voilà. Nous allons le laisser tel quel. Mais ce que nous allons faire d'abord, c'est importer l'image. Alors on va dans le dossier où se trouve l'image qu'on veut faire apparaître en form splash. On la prend, on la tire et on vient la déposer dans le dossier Drawable HDPI, juste en dessous de Res. On lâche. Il nous demande de copier le fichier. On copie. OK. Et voilà notre image, gscimage.jpg. Donc, la prochaine étape sera simplement de créer un nouveau layout pour prendre en compte cette image. Donc, toujours un Android XML Files. Et là, nous allons lui donner le nom... GSC splash, on va dire GSC splash layout, et c'est OK. Bien, maintenant GSC splash layout, on voit que c'est tout vide. On va dans le code XML et on va créer une image view. Cette image view, on va lui donner un ID. L'ID sera arrobase plus ID. On va appeler ça simplement image. On lui donne aussi la largeur, la hauteur. On peut laisser tomber. On va d'abord lui donner une description. Content description. Et on va dire arrobase string app name. On lui donne une source, c'est-à-dire qu'on indique à quelle image ce fichier sera attaché. Donc on dit arrobase drawable
Voilà. Et on voit l'image ici, l'image qu'on choisit. Et voilà. Maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble. D'accord. Là, il nous propose en fait d'attribuer une dimension. Moi, je me disais qu'il allait prendre la dimension pour un défaut. Donc, on va donner une largeur. On va dire wrap content. Ainsi qu'une hauteur. On va lui dire aussi wrap content. Et voilà. Maintenant, on regarde. Mais on se rend compte que c'est un tout petit peu plus petit. Alors, on va essayer d'agrandir cette image. Donc, au lieu de wrap content, la largeur, on va lui donner 500 dp. Et la hauteur, on peut lui donner aussi 500 dp. On regarde. Voilà, on voit que c'est un peu plus grand. Donc, on va lui donner comme largeur. Déjà, on va le mettre un peu plus à gauche. Donc, la largeur, on peut lui donner donc 400. Voilà. Donc, on va le mettre un tout petit peu plus à gauche. Donc, Android Layout Margin Left égale. Et là, on va dire moins 10 dp par exemple. On regarde. Non. Donc, il y a une erreur ici. Margin left, voilà. Moins 10, on se rend compte que c'est limite, limite, on va dire moins 15. Voilà. Et voilà, bon, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Donc après, ce sera à vous de faire le jeu de redimensionner, placer, etc. On a créé notre image view. Une fois que l'image view est créée, c'est là que le jeu commence. On va dans le dossier SRC, le package com.gsc, et là nous avons notre activity main. Alors on n'y touche pas pour l'instant. Nous allons simplement créer une nouvelle activité en créant une nouvelle classe qu'on va appeler GSC, GSC Splash Finish. Alors pour créer une nouvelle activité, on va faire hériter notre classe de Activity. Et voilà, CTRL S, CTRL Shift O, voilà. Alors maintenant, nous allons créer des variables. Une variable booléenne d'abord, que nous allons appeler active, qui va nous permettre de savoir si notre form splash ou notre oui, notre form splash est actif. Et on va d'abord le mettre à true. Alors, on va créer une autre protected variable int qui sera le splash time, c'est-à-dire le temps pendant lequel notre form splash va être affiché, qu'on va mettre à 3000 millisecondes, donc 3 secondes. Et là, nous allons créer notre onCreate. Et voilà. Ok, on enregistre. Alors, tout se passera dans le onCreate là. On peut le mettre aussi dans le onStart, mais c'est mieux de le mettre dans le onCreate, vu que c'est juste un affichage de form splash. Alors, on va créer un thread. Ce thread va s'appeler splash thread, par exemple. Et on l'instancie. On va dire new thread. Alors, new thread, on va maintenant le, comment dire, identifier, le définir. Donc, on aura un A override. On va faire une surcharge de méthode,
public void run. Run qui est, pour ceux qui connaissent déjà un peu la programmation des trades, ils sauront à quoi ça sert. Alors nous allons essayer de créer une autre variable que nous allons appeler attente 0. Voilà, attente, ce sera la variable qui va nous permettre en fait de compter de manière à ce que entre l'instant 0 et entre cet instant là 0 et l'instant splash time, donc tant qu'on n'est pas arrivé à 3 secondes, il va compter de 100 centièmes de seconde en 100 centièmes de seconde de manière à arriver à 3000 millisecondes. D'accord? Donc ce sera pour une boucle qui va compter le temps entre 0, l'affichage de la forme splash, et le temps où on lui demande de s'arrêter. Donc nous allons écrire d'ailleurs cette boucle tout de suite. Alors ce sera while actif, donc tant que notre form splash est active et que l'attente est inférieure au splash time, alors ce qu'on va faire, c'est on va mettre en pause, donc sleep 100, et ensuite nous allons tester. Si la form splash est active, alors attente va recevoir attente plus 100, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ceci fait, on capture l'exception. Ce sera une exception normale. Donc voilà. Et on peut mettre un message. Toast.makeText. Le contexte c'est this. Le message c'est une erreur est survenue. Point d'exclamation, ça fait cool. Et ensuite on aura une durée de type toast.lang_short. Et voilà, point show. Voilà. Toast pour make text. Toast make text. Context char sequence in the type toast is not applicable. Bien. Alors ici nous voyons une erreur. L'erreur dit la méthode make text n'est pas applicable pour les arguments de type new trade string int. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je mets le contexte ici à this, alors il va pointer ici new trade, parce que c'est dans ce contexte que nous sommes dans le contexte du trade. Alors ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de mettre get base context, et là il va prendre le contexte de base, donc c'est-à-dire celui dans lequel est contenu new trade, qui est le contexte de l'activité. D'accord? Faites des recherches pour comprendre un peu mieux ce concept là. Bien, donc nous avons capturé l'exception au cas où elle se présente. Alors il ne nous reste plus qu'à définir comment réagir au cas où tout se passe bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que au cas où tout se passe bien, nous allons lancer l'activité avec, voilà. Donc pour l'instant, vu que nous n'avons pas déclaré d'un temps plus tôt, nous allons dire new un temps. Vas-y. Voilà. Et le new un temps, dans un temps, nous aurons d'abord l'activité splash, donc GSC splash. Voilà. Point vis. Et ensuite, nous aurons le main activity. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Nous aurons main activity.